Bienvenue sur Oui, tout est possible. Eh bien, j'ai fait une petite folie, je me suis acheté un portable power generator, c'est-à-dire une batterie qui nous fournit un peu d'électricité jusqu'à 150 watts et en pointe 166 watts. Acheté naturellement sur le site Amazon. Donc, on va procéder à l'unboxing au déballage. Comme vous pouvez voir, je me suis blessé avec une trottinette. Vous allez me dire comment? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a déjà une anse. Nous avons les protections. Voilà. Les protections. Une petite anse. Voilà la bête. Pas mal. Vous voyez. Alors. Voilà. Nous avons les sorties USB, la lampe. Les sorties, l'entrée pour recharger via un. Comment dirais-je, panneau solaire. Bon, j'en ai un que de 10 watts de panneau solaire, mais je vais en commander un de 100 watts. Et on va voir ce qu'il nous donne en plus dans cette boîte. Alors, nous avons une petite boîte verte que nous allons tout de suite déballer. En ces temps troublés, on peut dire que c'est peut-être important d'avoir ce genre de choses. Alors, ça m'a l'air bien fourni. Oh là là. Oh là là. On a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Alors, je regarde s'il y a encore des choses dans la boîte. Le mode d'emploi. Voilà. Forcément, que nous allons lire. Alors, nous avons pour alimenter du 12 volts. C'est déjà pas mal. Je vais mettre comme ça pour alimenter du 12 volts. Alors ça c'est pour un panneau solaire, donc c'est l'adaptateur pour mettre le panneau solaire. Ça c'est le chien d'à côté. Ça c'est l'adaptateur pour charger la batterie. Et ça c'est pour la voiture. Ça m'a l'air plus ou moins solide. C'est bien. Bon. Je reviens tout de suite pour lire le mode d'emploi pour voir s'il est déjà chargé. Voilà, je l'ai mis en fonction électrique, donc 220 volts, et vous pouvez voir que il développe 217 volts en courant alternatif. Donc ensuite, on va voir la puissance. Mon portable est en train de charger et également j'ai mis un PC. Voilà, qui fonctionne. Bon, voilà, comme on est en plein jour, on voit pas bien, mais il est bien allumé. Hein. Et il était sur 3 barres, donc à peine livré, à peine il fournit de l'énergie. Maintenant, on va voir combien de temps il va de mettre pour se charger en voiture, en solaire. Et en électrique. Parce que c'est le but, hein, c'est de ne plus dépendre de ces sociétés d'électricité qui nous pompent l'argent et de vivre un peu en autonomie. Oui, tout est possible. Suite de la vidéo avec le petit chargeur portable qui fournit 150 watts d'électricité, hein, acheté sur Amazon, le pour l'instant, ça va. Bon, 1 heure et demie d'autonomie pour un PC portable, plus ou moins. Bon, là, vous voyez le portable qui est en charge. Et là, maintenant alimenté par un panneau solaire de 100 watts. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, naturellement, faut pas mettre un sèche-cheveux ni. Une agrafeuse électrique. J'ai essayé une agrafeuse électrique, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Par contre, un projecteur vidéo, ben, il a duré 2 heures. LED, projecteur vidéo LED. Là, ça a marché pendant, pendant un film et une série, quoi. Voilà, plus ou moins. Et puis ça sonne. Hein. Ça sonne une fois à la troisième barre, ça sonne et ça coupe l'électricité. Hein. Une fois que la troisième barre, il arrive à la troisième barre, donc il coupe, il avertit, quoi. Donc, je dirais 100,
50 watts nominal. Sinon, au niveau des portables ou tout ce qui est tablette et tout ça, je crois qu'on peut faire ça pendant 2 jours sans problème. On peut charger ça, le laisser décharger pendant 2 jours. Donc là, maintenant, je vais voir l'autonomie ce soir, combien elle aura chargé en plein soleil, parce qu'on a vraiment un très beau soleil aujourd'hui.